Voilà, donc village terrasse. Vas-y, Sparks, mange. Bon appétit, on y va. Après les Pokémon, allons à la chasse aux champignons. Champignon Go. Ok, me voilà au village terrasse. Donc, ici, j'ai un point d'aptitude qui est de ne jamais me faire toucher par les champs électriques. Donc, on va essayer de réussir ça. J'espère que ça compte pas, parce que normalement, c'est les plateformes électriques, je crois. Puis, on va pas essayer de réussir ça, on va réussir. Et puis, c'est tout. Ah, les petits robots! Les petits robots, c'est ça qui sont marrants. J'ai hâte de voir les espèces de robots dans le 2. Ouais, j'ai hâte de tout voir en fait. Toi, tu m'avais complètement pas entendu arriver. Il faut surveiller ses arrières. Toi, tu vas complètement m'électrocuter. Non, c'est bon. Dégage. Attends, parce que j'ai pas fini mon parcours, mais tu permets? Voilà. Déjà, je prends ça parce qu'il est là. Et ça parce que je me demande si je l'avais pas oublié dans mon let's play guide de Spyro 1 avant. Mange et brûle. Bon, il aurait mieux valu faire brûler mange parce que parce qu'évidemment je me suis fait toucher. Donc on va repartir au début du niveau qui est ici. Voilà, comme si rien ne s'était passé. Hop, hop. C'est bon, tu as fini de tirer, à moi. J'ai visé tout sauf lui. J'aurais pas pu faire pire. Merci pour cette démonstration de skill. De rien, de rien. Alors, voilà. Il y a quand même des joyaux dans les coins. Et comme là, les herbes sont plus hautes et plus denses et plus touffues. Ce qui est un vrai avantage. Il faut quand même faire gaffe. Parce qu'on pourrait ne pas... On pourrait en louper. Hein. Mais c'est de la vraie herbe et tout. C'est génial, quoi. Ça fait plaisir. C'est quoi ça? C'est un champignon. Ok, donc... Ouais. À mon tour. C'est ça les exosquelettes qu'il va avoir dans l'armée? Je suis déçu. Je m'attendais à mieux. Bon, là, forcément. Donc, il faut pas... Putain, j'ai plus Sparks! Ah, j'aime pas quand j'ai pas Sparks. Je vais aller rechercher un poulet. Juste pour avoir Sparks. Il n'y a plus de poulet. Petit bruit, es-tu un poulet? Non, tu es un oiseau. Putain, il y a pénurie de poulet. Le monde va mal. Ah, un poulet! Voilà, ok. C'était un papillon, mais c'est pareil. Oui, un poulet et un papillon, c'est pareil. Cherchez pas. Tu aurais pu mourir en prime. Front de libération de Sparks à le FLS. Qui sera le président du FLS? Mange! Claude a été sauvé! Attention Spyro, les gnorques des environs ont découvert le pouvoir de l'électricité. Oui. Et ça pique fort. Oui, ça fait vraiment mal. Du coup, il en a balancé son bâton, sceptre, truc. Ok, on va y aller mollo. Pour avoir plus de chances de choper le point d'aptitude. Excusez-moi les mecs, je voulais pas rentrer dans votre quartier. J'avais légèrement oublié que vous existiez. Ah oui, et puis toi tu t'en fous, tu prends rien. Hein. C'est pas bien. Dégage. Ah non, ça c'est... Ah ouais, je suis tellement pas passé loin. J'ai vraiment failli tomber. Dégage. Voilà. Je ne me suis pas fait toucher, tout va bien. Donc ça c'est... Voilà, ça c'est avec les feux d'artifice. Ce sera pour après. Ok. On est bien, parfait. Là, il y a un feu d'artifice, mais quand même, je vais attendre parce que je crois qu'il y a un trophée qui consiste à allumer 3 feux d'artifice en 15 secondes. C'est le genre de trophée peut-être que tu peux rater et t'as bien les boules parce qu'après tu peux plus le faire. Je vais pas prendre le risque, donc on va... trophée plus point d'aptitude. Essayons de maximiser nos chances. Tac, tac, voilà. Oh, t'es sérieux? Ah, attends, attends, attends. Attention à lui, là. Pas le gros, hein, mais le petit. Là, ça passe. Voilà, sur le temps de latence, on est bon. Poulet. Voilà pour lui.
Les autres artifices sont plus loin, je crois. On va prendre le dragon. Cyprin ! Bon travail, Spiro. Un jour, tu pourras raconter tes extraordinaires aventures à tous les dragons. Ouais, mais là, j'ai surtout envie de quitter ce marais. Mais je voudrais d'abord sortir de ce marais. Tous les dragons de niveau ont été trouvés, c'est parfait. Donc, une vie et un poulet. Qui n'a pas été mangé, mais c'est pas grave. Un petit trio de robots. Pas de joyaux par là, non. Je me méfie des plateformes électriques. Hein. Parce que j'essaye vraiment de faire le point d'aptitude dans la foulée et pas de le recommencer. Je suis pas tombé là, non. Non, pas du tout. Tout va bien. Donc on va déjà s'occuper de tous les ennemis et après des feux d'artifice à allumer. Le fameux Cyprin. Comment donc s'appelle sa femme ? Alors vas-y, électrise. Y'a plus rien. Tac. Dégage. J'ai essayé à l'aveugle, ça n'a pas marché. Ah voilà, voilà. Lui, il est loin. Il faut faire gaffe. J'essaie d'évaluer le timing. Ouais, ça va. Ça va, mais quand même, grouille. Voilà, on est bon. Aïe ! Oh putain, mais je pensais que je t'avais eu, toi. Et l'autre, il faut le timer un peu. Parce qu'il faut voler. Ok, on est bon. Non, j'ai pas du tout voulu me mettre comme ça. C'était pour arrêter un saut que je pensais pas terminer. Non mais monte, merci. Alors, il en reste un hein, sur une plateforme électrique. Hein. Le mieux, c'est d'abord que je saute en face. Ah, j'aime pas faire ça. Vas-y, envole-toi. Envole-toi. Merci Spiro. Oui alors, on va faire ça. De hein. toute façon, je vais devoir faire quelques allers-retours dans ce niveau. Il n'y a pas d'autres plateformes électriques ici. Je crois que c'est la dernière. Donc, si le point d'aptitude est ce que je pense, si je réussis celui-là, je suis bon. Bon. Ah oui, ok, d'accord. C'est ça, point de compétence obtenu. Donc, même en zappant la dernière, en fait, il faut franchir ce seuil sans être fait électriser sur une plaque. Donc c'est bon, j'ai bien le point de compétence, mais qui pour moi restera point d'aptitude dans ma tête parce que tu dois savoir, je suis tombé comme une merde. On va remonter, hein. Poulet avant, voilà. Donc, il y a une zone... Putain, il n'y a pas du tout pris le papillon, Sparks. Putain, je t'apporte ta bouffe sur un plateau, ça te suffit quand même pas. Bon, en même temps, ça m'a fait remarquer que j'avais un peu zappé ça. Donc c'est pas un mâle. C'est pas non plus une femelle, ceci dit. Bien. Poulet ! Cette fois, tu le manges. Merci, Sparks. Quand même. T'as vu ça ? On leur apporte la bouffe, et ils s'en battent les steaks. Putain, Sparks est un adolescent. Oui, c'est des points d'aptitude, on est d'accord. Comment veux-tu que j'appelle ça autrement ? Allez, au sommet de ton saut, on arrive là, et maintenant il va falloir voler. Tel un dragon volant. Donc, c'est d'ici que je le chope ? Non, c'est d'ici, je pense. Oui, c'est ça. Petit vol à l'aveugle pour arriver ici. Voilà. C'est là la suite. Donc, il n'y a pas de feu d'artifice là. Ils sont plus loin, je crois. Voilà, ok. 1, 2... Donc si je me débrouille bien avec les feux d'artifice d'ici plus celui qui est par terre, je devrais choper le trophée. Je me demande si c'est pas un trophée que tu peux complètement rater ça. Hein. Donc hop, hop. Donc feu d'artifice, je fais celui-là, celui-là et l'autre il est par terre, c'est ça, il est là. Hein. Donc allons-y. 1 2 Il est où l'autre putain? Et 3. Vas-y, explose. Nickel. Je ne sais pas si ça a été, si c'était suffisant pour le trophée. C'était suffisant pour le trophée, voilà, homme fusée.
Bien, parfait. Je suis content d'avoir eu ce trophée. Si vraiment je me demande en fait, si tu reviens dans le niveau et que t'as déjà récupéré les joyaux mais que t'as mis plus de temps nécessaire, est-ce que ce trophée est fichu? C'est possible. C'est un hermaphrodite, c'est peut-être le cas. Donc faut que je remonte pour choper les joyaux du coffre explosé en hauteur. Et je crois que j'aurais terminé ce niveau. Ouais, c'est ça, faut que je passe par là. Hop là, pile en face. On prend un peu de hauteur. Être à la hauteur. Et go. Est-ce que c'est bon? Oui, 400 sur 400. Niveau terminé à 100%. Puis alors là, complet. Hein. Trophée, joyau, dragon et point d'aptitude. Plus rien ne me retient ici. Tout d'un bloc. GG first try, voilà. J'adore réussir ce genre de truc. Je rentre à la maison.